Administration Moïse Jutla avance avec plusieurs chantiers infrastructures dans le département centre pays. Construction route Inch Saint-Raphaël là presque arrivé dans Boutli. Asphalte déjà posé sur route là sorti Inch rivé Pillon et travailleurs après pour suivre. Route 9 ça respecter tout ça en route doit gagner pour éviter accident circulation. Dans certains côtés techniciens ont construit fossé maçonné à gabion pour protéger belle infrastructure ça. Là nous au niveau pont sur Avenue Caïman à pont Coladet. Mon quartier la jeune à Bouroc songe mauvaise expérience sur des convives, la route Inch Saint-Raphaël pas de fait. Les bois doivent descendre, si les doivent finir baisser et puis laisser ça nous car nous qu'on pousse les machines mais dehors. Tout doit bananes à là, les doivent descendre qu'on casse toute banane, casse déjà des net. Mais au moment ça là vient pas gain ça qu'on a voir. Mais ça nous qu'on passe la boue, on dépend nous passe machine collée. Quand elle est là au dos, mi fait n'importe deux trois jours là. Nous pas capable nous même maintenant nous sommes secs nous sommes automatiques au fait bête nous n'a pas sans banane toi là nous perd vous tu prêt à vivre dans banane falaise machine même c'est vieux machine pas vide en bas non de l'applique machine commence à dépendre l'air et puis ouais les machines non débordent sous bavé machine a fini monter sous a brisé pas gain route si on a pas l'école c'est dangereux on a pris l'amour nous pas de gain route pas qu'un développement c'est construction route c'est ça chef état quoi la continue pour tes projets de toute côté d'un pays pour satisfaire à tant de population. Le président, merci pour route là, le faire nous jeune et puis tout. Ça pour parler le mal, on parle le mal, mais ça pour parler le bien, tu parles le bien. Je suis satisfait de ça. Sous côté réalisation route Inch Saint-Raphaël, y a un pont qui mesurait environ 68 mètres à construire sous rivière Guayamouk, ville Inch. Chantier ça avancé à 70%. L'état de fini en 2 mois, d'après ingénieur responsable là. Construction y a un bureau protection animale et végétale démarré tout dans Papaye. Y a un projet direction départementale agricole centre. Dans la commune Maïsad, le gouvernement a construit 2 gros ponts. Yon qui mesurait 63 pieds a fait sur rivière Rio Frio à Clotla, sous passe Bonbon. Construction 2 parmi 3 d'Alo déjà achevé sous passe Naran. Rivière Sa, te konbay moun Maïsad en pile problème dans la saison la pluie, d'après magistrat Hubert Duchesne. Ça veut dire que nous rencontrons en pile difficulté pour moun qui malade, yon dans l'hôpital de référence qui se hinche, nous pas capable. Pourquoi pas boire la rivière ça là, c'est grâce à président Jovenel qui est venu là. Qui est arrivé à te prendre toute la rue. Ou capable de boire pour plan, c'est la rivière à te. Et nous, ils font un kirage là-dedans, là, qui coûte au moins 16 millions de gouttes. Il fait qu'on y a là, ou la rivière vient gagner à l'USA, qu'on y a celle-là. Nous sommes capables de dire que Maïsad, c'est la première fois que Maïsad bénéficie et non gouvernement comme ça. Nous bénéficions de 3 grands ponts, ça, c'est pas petit bagaille. On prend un pont de 63 mètres, ça, c'est quelque chose. L'infini, nous bénéficions encore, y a un autre pont encore, et sous passe Bonbon. Venir gain 5 d'alo plus 5 petits d'alo qui fait encore ça veut dire nous capable dire Maïsad nous bénéficier surtout pour gouvernement ça pendant 4 ans ça là. Alors que dans ce cas la source administration Moïse Jutla construit lycée Alexandre Pétion avec lycée Stenio Vincent et puis électrifier commune ce cas la source qui peut que jamais courant électrique depuis 1919. Ensemble pour ça ce résultat engagement président Jovenel Moïse te prend devant mon département centre pays pendant campagne électorale. L'administration Moïse Jutla avance avec plusieurs chantiers infrastructures dans le département centre pays. Construction route Inch Saint-Raphaël là presque arrivé dans Boutli. Asphalte déjà posé sur route là sorti Inch rivé Pillon et travailleurs après pour suivre. Route 9 ça respecter tout ça en route doit gagner pour éviter accident circulation. Dans certains côtés techniciens ont construit fossé maçonné à gabion pour protéger belle infrastructure ça. Là nous au niveau pont sur Avenue Caïman à pont Coladet. Mon quartier la jeune à Bouroc songe mauvaise expérience sur des convives, la route Inch Saint-Raphaël pas de fait. Les bois doivent descendre, si les doivent finir baisser et puis laisser ça nous car nous qu'on pousse les machines mais dehors. Tout doit bananes à là, les doivent descendre qu'on casse toute banane, casse déjà des net. Mais au moment ça là vient pas gain ça qu'on a voir. Mais ça nous qu'on passe la boue, on dépend nous passe machine collée. Quand elle est là au dos, mi fait n'importe 2-3 jours là. Nous pas capable nous même maintenant nous sommes secs nous sommes automatiques au fait bête nous n'a pas sans banane toi là nous perd vous tu prêt à vous prêt à vivre dans banane falaise machine même c'est vieux machine pas vide en bas non de l'applique machine commence à dépendre l'air et puis ouais les machines non débordent sous bavé machine a fini monter sous y a brisé pas gain route si on a pas l'école c'est dangereux on a pris l'amour nous pas gain route pas qu'un développement c'est construction route c'est ça chef état quoi la continue pour tes projets tout côté dans pays
pour satisfaire tant de population. Le président, merci pour tout là, le fait nous jeûner et puis tout. Ça pour parler le mal, on parle le mal, mais ça pour parler le bien, tu parles le bien. On satisfait de ça. Sous côté réalisation route Inch Saint-Raphaël, y a un pont qui mesure environ 68 mètres à construire sous rivière Guayamouk, ville Inch. Chantier ça avancé à 70%. L'état de fini en 2 mois, d'après ingénieur responsable. Construction y a un bureau protection animale et végétale démarré tout dans Papaye. Y a un projet direction départementale agricole centre. Dans la commune Maïsad, gouvernement a construit 2 gros ponts. Yon qui mesurait 63 pieds a fait sous rivière Rio Frio à Clotla, sous passe Bonbon. Construction 2 parmi 3 d'allô déjà achevé sous passe Naran. Rivière ça a été conduit moun Maïsad en pile problème dans la saison la pluie, d'après magistrat Hubert Duchesne. Ça veut dire qu'on a rencontré un pile difficulté pour les gens qui sont malades, qui sont dans l'hôpital de référence qui est Inch, nous pas capable. Capable de la rivière, ça, là, c'est grâce à président Jovenel qui est venu là, qui a rivière à prendre toute la rivière. Ou capable de bon plan, c'est la rivière à tailler. Et nous, ils font un kirage là-dedans, là, qui coûte au moins 16 millions de gouttes. Il fait qu'on est là où la rivière vient de gagner à l'USA, qu'on est assez là. Nous sommes capables de dire que Maïsad, c'est la première fois que Maïsad bénéficie et non gouvernement comme ça. Nous bénéficier 3 grands ponts, ça c'est pas petit bagaille. On va un pont de 63 mètres, ça c'est quelque chose. L'infini, nous bénéficier encore, un autre pont encore, et sous passe Bonbon. Nous avons 5 dalots, plus 5 petits dalots qui fait encore. Ça veut dire que nous sommes capables de dire Maïsad, nous bénéficier surtout pour gouvernement ça pendant 4 ans. Ça, là. Alors que, dans cette Alassus, l'administration Moïse Jotla construit lycée Alexandre Pétion avec lycée Stenio Vincent. Et puis électrifier commune c'est Calasous qui peut être jamais courant électrique depuis 1919. Ensemble pour Vesayo, ce résultat engagement président Jovenel Moïse te prend devant mon département centre pays pendant campagne électorale.